Je sais que c'est difficile. Je sais que Internet semble bouché, les thématiques ultra concurrentielles. Et je sais que c'est dur pour vous, surtout quand on commence, d'écrire de bons articles de blog, de tourner des bonnes vidéos YouTube, d'intéresser les gens sur les réseaux sociaux. Au début, on a des chiffres de trafic qui sont hyper modestes, des chiffres d'abonnés qui décollent à peine, et on a juste envie d'abandonner. Pourtant, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vivre cette vie d'infoprenariat, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vous différencier si le marché est saturé. Vous êtes obligé de faire de la qualité à l'époque de ChatGPT, à l'époque de Wikipédia, à l'époque où toute l'information du monde semble disponible sur Internet. Si vous ne produisez pas un contenu qui est différent, qui amène une émotion, qui amène une motivation, qui amène des histoires, des exemples, de l'inspiration, vous ne pourrez pas y arriver. Et je vais vous dire, le pire, c'est même pas ces difficultés, parce que tout ceci peut s'apprendre. On peut apprendre à se différencier, on peut apprendre à rédiger, on peut apprendre à faire du contenu qui va toucher les gens. Le principal problème, en réalité, c'est la démotivation, c'est la procrastination, c'est l'abandon. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo pour aider ceux qui tombent dans le piège de l'abandon, dans le piège de la procrastination, ceux qui attaquent un projet et puis qui le lâchent en cours de route, alors que l'idée est bonne. Je vois très souvent en coaching, les gens échouent, non pas parce qu'ils sont incompétents, non pas parce que l'idée ne tient pas debout, mais tout simplement parce que les gens procrastinent, tout simplement parce que les gens abandonnent. Mais comprenez bien une chose, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans le monde réel, la plupart des entrepreneurs ne réussissent pas du premier coup. Moi-même, avant mon licenciement en 2013 et cette période où j'ai réussi à monétiser mon petit blog sur le tir sportif, avant cette période, toutes mes tentatives de monétisation avaient échoué sur plusieurs sites. Mais j'ai retiré des leçons de ces échecs et ces échecs m'ont fait progresser. Il y a un autre problème, c'est que en plus de ça, vous vous comparez à des gens qui ont déjà du succès. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est redoutable. Quand on débute sur Internet, qu'on part de zéro trafic, zéro inscrit, et qu'on voit des gens qui ont des chaînes YouTube énormes, qui gagnent des sommes colossales, s'il y a un tel écart, il y a une telle distance qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et finalement, au lieu de bosser un petit peu, on se dit, ah, je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine, je le ferai le mois prochain. Et puis c'est comme ça que les projets sont tout simplement abandonnés. Moi, je dis, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de regarder ceux qui font 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois, parce que même en francophone, il y a beaucoup de gens qui font ces sommes-là. Arrêtez de regarder ces gens-là, parce qu'en fait, ça vous décourage. Vous êtes comme un alpiniste qui est au pied de l'Everest, qui regarde les sommets à plus de 8 000 mètres et qui se dit, mais c'est impossible, j'y arriverai jamais. Mais personne ne vous demande de grimper l'Everest. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous devriez commencer par faire un petit peu de randonnée dans les Pyrénées, acquérir de l'expérience, et puis ensuite passer au niveau Alpes. Et puis ensuite, vous irez aller chercher les plus hauts sommets. Avant de rêver à 10 000 euros par mois, essayez déjà de vous faire un petit revenu complémentaire. Essayez déjà de faire vos premières ventes. Si vous avez fait une vente, c'est que c'est possible. C'est que vous pouvez recommencer. Si vous avez fait 10 ventes, c'est que vous pouvez en faire 20. Si vous pouvez en faire 20, tout est possible. En plus de ça, la procrastination, elle peut vous frapper à n'importe quel moment. En 2023, j'ai fait un chiffre d'affaires en progression, donc c'était cool. Mais quand j'ai regardé mes stats, je me suis rendu compte que l'année dernière, je n'avais tourné que 22 vidéos YouTube. C'est vraiment peu, parce qu'à un moment, j'ai ressenti une espèce de saturation et j'avais plus envie de produire de contenu. Je faisais ça depuis 10 ans et je pense que, bah, comme tout le monde, à un moment donné, il peut y avoir une espèce de lassitude. Donc j'ai levé le pied et j'ai réfléchi à, ok, comment je pourrais faire? Puisque je commençais à avoir une légère baisse de mon nombre d'inscrits, ce qui n'est pas bon. Il faut évidemment essayer d'avoir de la croissance sur sa liste d'inscrits. Évidemment, il y a toujours des gens qui vont se désinscrire à un moment ou à un autre, mais il faudra bien quand même que d'autres personnes découvrent mon contenu. Et pour ce faire, je dois avoir cette régularité, cette persistance. Donc je me suis posé la question de, ok, comment je vais bosser? Et je vais partager ça avec vous, parce que je pense que c'est important. En fait, je pense que la plupart des gens vont abandonner parce qu'ils n'attaquent pas la question du travail avec la bonne vision. La plupart des gens qui démarrent, ils ont une vision time boxing. Le time boxing, c'est quoi? C'est de se dire, ok, ce soir à 20 h, j'aurai fini mon article, ou ce soir à 20 h, j'aurai fini ma page de vente ou l'enregistrement de ma formation. Donc on se met énormément de pression pour y arriver, et parfois au détriment de la qualité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout le temps travailler en time boxing, parce que ça génère énormément de stress, énormément d'usure.
De temps en temps, c'est pas mal. Hein. Quand vraiment il faut mettre un bon coup de collier, se mettre un petit coup de pression, et se dire « Ok, ce week-end, c'est terminé, j'aurai fini la mise en place de mon site WordPress, comme ça je pourrai passer à l'étape suivante. » Ça, ok, d'accord. Mais vous ne pouvez pas bosser tout le temps comme ça, parce que vous vous épuisez. Donc l'approche que moi je vous recommande, c'est non pas de vous dire « Ok, j'aurai fini telle tâche tel jour », c'est plutôt de vous dire « Ok, chaque jour, je vais avancer un peu. » Si vous voyez derrière moi, mon ordi, là, j'ai changé mon fond d'écran. Avant, là, il y avait une photo de ma fille. Puis, j'ai mis une photo d'une locomotive. Alors, c'est une grosse locomotive diesel, bien dégueulasse, bien polluante. Mais l'image derrière ça, c'est quoi? Ben, en fait, c'est l'image du lièvre et de la tortue, la fable de La Fontaine. Une locomotive diesel comme ça, ça va pas vite, mais ça s'arrête jamais. C'est un peu comme le transsibérien, le train qui va partir de Moscou et qui va vous emmener de l'autre côté de la Russie. Ça va pas très vite, le transsibérien, ça roule à quoi? 70, 80 km/h. Mais ça roule jour et nuit pendant une semaine. Eh bien là, on abat des milliers de kilomètres. Et je me suis dit, mais en fait, la solution, c'est ça. Dans mon travail, au lieu de me dire, ok, ce soir, j'aurai absolument fini mon article ou j'aurai absolument fini ma formation, je vais plutôt me dire, ok, aujourd'hui, je vais bosser une heure dessus. Et à la fin de cette heure, j'arrête, même si je n'ai pas fini. Ça, ça permet un changement complet parce qu'en fait, vous prenez le temps de faire du qualitatif. Vous prenez le temps de bien faire les choses. Vous prenez le temps de fignoler, parce que vous vous mettez zéro pression. Et vous vous dites, ok, à 18h je commence, à 19h j'arrête. Et demain, je recommencerai là où j'en étais. Et l'idée c'est de se dire, si je travaille comme ça, dans un an, je me retournerai sur le chemin parcouru, et je verrai que j'ai abattu énormément de travail. Donc peut-être que vous n'avez pas énormément de temps aujourd'hui pour votre projet internet, mais cette stratégie, elle vous permet de ne pas abandonner, cette stratégie, elle vous permet de faire du qualitatif, ce qui sera super important pour vous démarquer de ce qui existe déjà, pour vous démarquer de ChatGPT, pour vous démarquer de Wikipédia, pour vous démarquer des 1001 contenus qui existent déjà sur le net. Essayez de faire mieux, essayez de travailler de cette façon. Alors dans votre emploi du temps, peut-être que vous n'avez qu'une heure le mardi soir, une heure le jeudi soir, ben prenez-les déjà pour avancer sur vos contenus, et puis un petit peu le week-end. Bloquez systématiquement ces plages de temps et avancez sur votre projet. Et si la tâche n'est pas finie, c'est pas grave, vous la reprendrez le lendemain. Au final, quand on y réfléchit, notre métier, c'est de produire du contenu gratuit et du contenu payant. Bien sûr, si vous êtes au début de votre projet, il faut rajouter un peu de temps pour faire de la promotion de contenu et se faire connaître. Mais à partir du moment où vous vous dites que vous bossez sur l'ensemble de ces tâches, ça avance. Même si ça avance doucement, c'est du progrès. Donc si vous sentez que vous allez abandonner, si vous sentez que vous procrastinez, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre agenda et c'est de déterminer ces plages de temps sacrées. Et de vous dire, ok, je vais travailler une heure, je vais travailler deux heures. Vous ne comptez pas en nombre de mots, vous ne comptez pas en articles finis ou en heures de formation enregistrées. Vous vous dites simplement, je vais prendre du temps pour mon projet. Vous verrez que vous aurez beaucoup plus de persistance. Vous verrez que vous serez content de produire des contenus qui valent la peine. Et vous verrez que votre envie d'abandonner va s'évaporer. J'espère que cette astuce d'organisation va vous permettre de continuer à avancer et à ne surtout pas abandonner. Encore une fois, la réussite du premier coup n'est pas obligatoire et elle n'est même pas systématique. Si vous voulez d'autres astuces marketing, rejoignez ma newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description, pour deux raisons. La première raison, c'est que vous recevrez par email des astuces que je ne partage qu'avec mes inscrits. Et la deuxième raison, c'est que vous recevrez aussi un guide sur le copywriting. Merci beaucoup et à bientôt.